Si je fais cette vidéo pour inviter le gouvernement camerounais, n'est-ce pas, dans le cadre de la CAN qui veut être une fête populaire, à penser justement dans le sens de notre peuple, dans le sens populaire, et à organiser et à faire un moratorium pour tous ceux, n'est-ce pas, qui sont en exil ou à cause des paroles ou bien des faits. Et n'est-ce pas, pour leur permettre de retourner au Cameroun afin de participer au match, afin de participer à la CAN, afin que la fête soit effectivement populaire, afin qu'elle soit la fête du peuple. Et je parle ici hein, de dizaines, de centaines de milliers de personnes, surtout d'expressions anglaises hein, que j'ai rencontrées partout sur la Terre, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, aux États-Unis, bien sûr, en Afrique, qui ne peuvent pas rentrer au Cameroun plusieurs fois, n'est-ce pas, qui ne peuvent même pas y rentrer, enterrer leurs propres parents, sinon même rendre visite à leurs propres parents. Et donc, je souhaite que la CAN ne permette pas seulement aux étrangers de venir au Cameroun librement pour célébrer. Et je sais que des centaines de milliers seront là. J'ai déjà lu que 50 000 journalistes veulent être au Cameroun, ont demandé des accréditations. C'est une très bonne chose, mais il y a plusieurs centaines de milliers de Camerounais qui souhaiteraient venir au Cameroun également, voir leur famille, ce qui est beaucoup plus important, ou bien être avec leur famille. Et donc, je souhaite que la CAN permette cela également et rende dans la fête populaire, et principalement les Camerounais d'expression anglaise, les anglophones, comme on dirait. C'est une idée qui m'est venue comme ça, mais qui a un précédent. N'oublions pas que durant COVID, le secrétaire général de l'ONU avait également demandé un moratoire à toutes les guerres civiles, ce qui avait permis, n'est-ce pas, à celle-ci de du moins se faire une pause. C'est une idée de bon cœur, c'est une idée qui permet justement de réfléchir et puis d'avoir le peuple en fête. C'est pas normal, n'est-ce pas, que des Camerounais qui aiment le football, nous aimons tous le football, ne puissent pas venir participer à la fête collective, ne puisse pas venir participer à l'élévation justement de notre peuple, à la victoire qui sera celle de notre peuple, et n'est-ce pas la grandeur qui sera celle de notre peuple pour des raisons, pour quelque raison que ce soit. Et la CAN permettra donc d'avoir une grande famille, d'avoir une large famille, d'avoir une fête familiale, d'avoir une fête collective. Il suffit d'un moratoire. Et donc c'est ce que je suggère. Nous sommes grands et nous sommes capables de ça. Je suis sûr. Allez, soyons grands. Faisons-le. C'est au Cameroun, Sénégal. Allons, allons, la CAN.